Nous fléchissons devant Emmanuel. Emmanuel. Nous te levons en ce Emmanuel. Lieu. Emmanuel. Notre Dieu avec nous. Nous te louons. Azalite. Nul n'est comme toi. Moussous lokola yo akoki kozalate. Nul ne sera semblable à toi. Lokumu yoso ezonga epai na yo. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ces trois jours. Matondo pona mikolo misatu. Et le lot, le quatrième jour. Et aujourd'hui, le quatrième. Merci pour na yoso osalaki. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous en ce lieu, nous avons juré de retourner tout l'honneur et toute la gloire au Père. Pour que les gens comprennent, les gens du monde comprennent que Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci encore d'être avec nous ce matin. Matondo ya kozala na biso lisusu na tongo lelo. Sois contrôle absolu. Prends le contrôle absolu. Salayonso kanaki kosala. Fais tout ce que tu avais décidé de faire. Et merci pour na bana na yo oyo bazo kole bango lelo. Et merci pour tes enfants qui recevront leur collation aujourd'hui. Merci pour la connaissance. Merci pour la connaissance. Merci pour le transfert. Merci pour le transfert. Sois le comme papa. Reçois tout l'honneur. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Nous avons prié. Amen. Amen. Toko kiko vanda. Bete la Yesu maboko makasi. Est-ce que toko ko bete la Yesu maboko makasi pour la Coran? Acclamer fortement le Seigneur pour notre Coran. Boza kitoko ce matin. Narko kite tina yeko kanga foto. Bete la Yesu maboko ma. Beta, 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 beta. Au fait, tout le monde dans cette marathon spécial. Tout le monde est à féliciter pour notre célébration ou manifestation les fers aiguise les fers. J'aimerais dire ce matin de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse tous. Tous les départements. Les organisateurs. Les organisateurs. Tata Élisée, naba équipe nae. Le fils des prophètes Élisée et toute son équipe. Nabazi boyebie. Je crois vous le connaissez. Élisée azana libandi. Un nom prophétique. Alléluia. Élisée a une calvitie. Na c'est peli mingi et na pambolizambe pona vie na bino pona nyonso. Pona réussi de cette quatre jours. Je suis content et je bénis Dieu pour chacun de vous, de par sa contribution pour la réussite de ces quatre jours. Zambe na biso akoba ko pambola bino. Que notre Dieu continue à vous bénir. Losambo nangai elongo tozo mata likolo. Ma prière est qu'ensemble nous puissions aller plus haut. Et laisse-moi aussi d'apprécier Tika ete nandima notre ambassadeur. Ambassadeur Nabiso. Ba ambassadeur nyonso. Tous les ambassadeurs qui ont payé le prix de venir se réunir avec nous. J'aimerais que vous sachiez que c'est nécessaire. Na lingi boye ba ete ezali motuya. Pas seulement nécessaire. Kaka motuya te. Mais kasi. Obligatoire. Et ezali pe motindo. Tu n'as pas de choix. Chaque année, tu ne peux pas rater l'effet. Aiguise le fait. Ozana lilobo kozongi sate mbula nyoso okoki soki mukete korate le faire aiguise le faire. C'est pas que ngai nakoyate non ezalakate. Il ne faut pas dire que non. Obligé. Des raisons, ça ne peut pas se faire. Vous même êtes obligé. Obato bomba $1 chaque jour.
Même s'il faut commencer à épargner un dollar par jour, tu totaliseras l'argent du billet et de ton séjour à Kinshasa. La vie, c'est la planification. Bomoi ezali kolenge la toko bongisa yango liboso. Na pambolita me pour na présence na bino. Je bénis Dieu pour votre présence. Et na dimike nyonso zambe azo sala wa ekozala reproduit ivai na bino. Amen. Je crois que tout ce que Dieu fait au milieu de nous sera reproduit là où vous dirigez. Quand je parle de tous les ambassadeurs, pas seulement naba oyo bazana ministère na bango, Jean-Claude, Tommy, ainsi de suite. Tangu naza kolobela ba ambassadeur nazo lobela kaka ba oyanda ko i oyote ezape namba fils de prophète mususu bazana misala na bango ndakisa pasteur Tommy pe ba mususu. Je suis fier de vous. Naza penza na lipombo to fier na bino. Et na sambeli. Et j'ai pris bokozala réflecteur de cette commission. Et bino boko talisa. Bipai boko kende e pakolami oyu. Omoni na tongwa lelo na ye. Nazo yo kamungongo analobi. Tozangi ye mingi. Tozo ma, azo manke biso. Vous voyez ce matin. Atele mi magre ki akomi pastor me akoti kakawana. Na moni numero dope. Ancien charpentier. Poste azalaka wana avon. Kala. Batu ebele na koraba yebi ekutute. Na moni ye pena pembe pembe na ye akoti kuna. Namoni mutu ya photographe yepe apotoli kamera abani. So malgré titre na bango betela Yesu maboko. Amen. J'étais ravi quand j'ai vu mes enfants qui hier étaient dans la chorale, aujourd'hui pasteur, qui hier étaient dans la chorale, aujourd'hui pasteur à Matadi, pasteur à Brazzaville, hier photographe, aujourd'hui notre ambassadeur, mais malgré les titres, ils ont mis de côté les titres, ils ont fait ce qu'ils étaient. C'est ça l'humilité de Jésus-Christ de Nazareth. Yangonde komi kitisa Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et c'est pelisinga Nazareth na ici. Cela m'a beaucoup réjoui. On commencera à t'inviter, à t'appeler de temps en temps. Qui est béni à l'adoration de ce matin. Alléluia. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut encore ce matin. Na yambi biso banso. Je nous reçois, nous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo ya Jésus-Christ. Et na yambi biso banso. Et je nous reçois na sansa na biso. Dans notre moi, il y a visitation angélique. Oh yo, il y a visitation angélique. Et ce matin, na tongwa lelo, parce que eza sansa na biso, parce que c'est notre moi. Il y a visitation angélique. Des visitations angéliques. À part la collation, il y a 69e promotion. À part le fait que tu as peine en collation, il y a 69e promotion. Avec la présence de tous nos ambassadeurs. Et la Bozali ambassadeur Nabi Sonyonso. Et Kozala Malamu Puranga. Ça sera une très bonne chose pour moi. Et par le guide du Saint-Esprit. De parler à ce sujet. Ya kolobe la ponatina na likambo oyo. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ponanini. Visitation angélique. Pourquoi la visitation angélique? Bien-aimé. Balingami. Ce matin. Na tongwa lelo. Na lingoyeba. Je veux que vous sachiez l'importance. Motuya. Significance. Ou la signification. La place. Les rôles des anges, même jusqu'à nos jours, jusqu'à ce moment. On a tout prêché dans l'église. Beaucoup des enfants de Dieu connaissent tout, sanctification, beaucoup justice, prospérité, foi, mais peu. De bayebi. Bana na nzambe mingi. Bayebi sanctification, la foi, la puissance, mais mouke de bayebi réellement la visitation ou le rôle des anges dans leur vie. Ce qui ange, ba ange bazana place te, bazana rôle li sous te,
Si les anges n'avaient pas de place ou n'avaient pas de rôle à jouer dans notre monde aujourd'hui, moi, votre Père, je n'allais pas me tenir devant vous. Ma prière, vivre des visitations et interventions angéliques à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu commences à vivre des visitations et des interventions angéliques à partir de ce moment au nom de Jésus. Chaque fois quand nous nous réunissons, Basali parmi nous, ils sont là au milieu de nous. Délivrance, des délivrances, des guérisons, des guérisons. Yo, sozo mona. Tout ce que vous voyez, ils sont là. N'oublie pas que la Bible dit que bossa na tete Bible et l'obi. Les anges, Bangelou, sont autour Bazazinga de tous ya Batonios qui craignent l'Éternel. Oyo bazako banga Yahweh. Tala dengito za ebele. Regardez comment nous sommes nombreux. Soki baza autour, si ils sont autour, c'est-à-dire eli koloba. Dengito za tel que nous sommes là, baza ebele. Ils sont en plein grand nombre ici. Loba nayoki. Nayoki. Loba e kotingai. J'ai compris. Na lobi boy. Je dis ceci. Sansa oi. C'est moi si. Awa. Ici. Beaucoup vivre ba visitation angélique. Vous allez vivre des visitations angéliques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozana tango ya suka. Nous sommes dans les derniers temps. Oyo bandimi ya Yesu, où les croyants en Jésus-Christ sengeli basosola doivent comprendre la place et sika ministère ou mosala ya ba ange des anges. Loba amen. Amen. Na tango na biso lelo, en notre temps, et plus du fait que nous constatons que chaque fois le mal ne fait que grandir. Voilà. Yankowana esengeli biso bana zambe toye ba place, rôle, importance ya ba ange. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons connaître et comprendre clairement la place, le rôle et le ministère des anges de Dieu au milieu de nous. Pour nos propres bénédictions. Pour notre aide. Pour notre marche nabiso chrétien ici. Notre marche chrétien. Toi et tamboli nabiso yaba Christo awa na mokili. J'aimerais te dire ce matin. Nalingi koye bisayo na tongo alelo. Les anges sont encore là sur la terre. Banjelu yanzambe bazali na nuwana awa na mokili. Bazo sala mukolo yonso chaque minute, chaque seconde. Et il travaille tous les jours, chaque minute et chaque seconde. Qui est d'accord avec moi? Nani andimi mainaza koloba. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que ba ange baza ba makamboyo ba tieyo na mutu na bongo depuis bomwana. Baza makambo wana okanisa kateke baza na mapapu bazo pumbwa. Permettez-moi net indeke. Permettez-moi d'enlever dans votre tête les images que nous avons tous reçues, que les anges ont des ailes, des anges s'habillent toujours en blanc, les anges marchent avec une lumière, ou bien Jésus, c'est la personne que nous voyons dans les images. Que du reste nous gardons peut-être dans nos maisons. Non, enlevons cela dans la tête. J'aimerais te dire tel que vous êtes assis, un ange est à côté de toi. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Voilà. Mancho parata baya. Amen. Yoka, oza awa, vous êtes là. Bamususu bakomemelayo provision. Il y en a ceux qui t'apporteront la provision. Je dis, vous êtes ici. Les koulouna vont vous apparaître, mais il y aura des anges qui vont les combattre à ta place. Amen.
Oza awa, tu es là. Bako meme yo provision financière et matérielle. Il faut vous amener la provision financière et matérielle dont vous avez besoin. Amen. Alemamo sopro diabashada. Amen. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 1. Bah, c'est 1, merci. Version Darby. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Car par elle, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Ont logé des anges sans savoir. Ma Bible dit, ont logé des anges, anglais, sans savoir. Ce qui est à Katina, parole vivante. Voilà. Parole vivante. Continuez à vous aimer comme des frères. Verset 2. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité envers les étrangers. En agissant ainsi, plusieurs ont accueilli des anges sans les savoir. C'est-à-dire, bah, angelu, mususu, bazaneti, yo, na, ngai. C'est une façon de nous dire qu'il y a des anges qui ont la forme comme vous, c'est moi. Na lobibwe, je dis. À partir des cultes d'aujourd'hui, activer ministère ya ba angelou na vie na yo. J'active le ministère des anges dans ta vie. Na kombo na Yesu Masih. Amen. Lingala ya lelo. Bolinga na lokola bandeko. Bolemba ko yamba bapa ya tena ndako na bino. Pamba te kalabato oyo basalaka yango bayambaka ba angelou kasi bayebaka bangote. Bayeba kabangote me apatia lelo okubanda ko yeba bango. Amen. Nalobe okubanda ko yeba bango. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Ko tena mutuna yo lisusute bazanete avion. Enlevez dans votre tête que les anges sont comme des avions. Net aigle. C'est comme un aigle blanc. La colombe. C'est comme une colombe. La colombe za colombe. Ange à ange. La colombe reste une colombe. Un ange est un ange. Alléluia. Amen. Bisika yon sotange Bible okomona. Partout, si vous lisez la Bible, vous allez les Abraham. Trouver. Ils sont apparus à Abraham. En forme ya moutou. Na lo lengi en forme des humains. Babimeli Lot. Ils sont apparus à Lot. En forme ya. Babimeli Zak. Ils sont apparus à Zacharie. Lo sambo nangai. Ma prière. Apatia lelo, kopanda lelo, avec cette révélation, na kofungo la matona la révélation, ko vivre ministère ya ba ange. Et tu commences à vivre le ministère des anges. Na vie na yo na kombo na Yesu. Dans ta vie au nom de Jésus. Ngai koloba kutute. Moi n'en parle pas. Alléluia. Amen. Kobana na état ya liboma déjà. En commençant dans les temps anciens quand j'étais encore un malade mental. Alléluia. Amen. Voilà. Lingala mon nouveau. Boko bako lingana ndenge bandeko balinganaka. Deux. Bobo sanate ezaleli ya koyamba bapaya. Merci. Pona nzela na yango ba mosusu bayambaki ba angelou kasi bayebaki te. Bayambaki ba angelou kasi bayebaki te. Soki baloboke badenge zo yamba bapaya. Bapaya bazaba nani? No, oh, répond ko bapaya bazaba nani? Ce sera dit, ba ange pe bazaba denge nini? Si on nous demande de faire attention à la manière dont nous accueillons des étrangers, des personnes inconnues, c'est pour tout simplement dire que, parce que en recevant les personnes inconnues, certains ont reçu les anges dans leur maison sans les savoir. C'est une façon de nous dire que les anges ont aussi la forme des humains comme vous et moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ba ange bazaba messager céleste. Les anges sont des messagers. Bana musala ya tata na yo. Ce sont des travailleurs de votre père. Ya Zambe. Du Dieu. Yo oza mwana Zambe. Et vous êtes un enfant de Dieu. Bon ya papa na yo azape bon na yo. Le domestique de ton père est aussi ton domestique. Bana musala ya tata na yo bazaba na musala na yo. Les ouvriers de ton père,
ils le sont aussi pour vous. Ce qui a tochoné ndaku po papa na yo a engagé yo pe oso bénéficier na tochonnement ne wana. Celui qui tochonne la maison parce que ton père l'a engagé, il le paye à la fin de chaque mois. Et toi, en tant que fils de la maison, tu jouis du même privilège. Est-ce que asukula kabilamba ya papa seulement na maman atiki ya yobana? Est-ce que les domestiques lavent seulement les habits du papa, de la maman et puis laissent ceux des enfants? Est-ce que arepasa bilamba ya papa na maman atiki ya bana? Est-ce qu'il repasse seulement les habits des parents, laissant celui des enfants? Les anges sont des messagers célestes. Bazali batindami yalola. Et aujourd'hui, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, ils sont nos ouvriers. Je n'ai pas entendu votre amen. Denge ba bon ba domestique ba sungaka famille momba papa maman na ba musala. Apatia lelo ba ange ya zambe na activer ministère na bango na vie na yo. Amen. De la même manière que les domestiques aident la vie de la famille dans les travaux ménagers, de la même manière j'active le ministère des anges dans votre vie. Na mot grec balobi, le mot ange ezolo banini angelos. Na monoko ya ba grec liloba oyo babengi ange eling paloba kango angelos. Na hébreu na ba hebelo malak. Malak na ba kiswahili memba ngoko babenya malaika. Na swahili balobi malaika yonso ezolo banini tout ça messager. Le mot malak ça veut dire messager. Que ça soit en grec angelos, en hébreu malak ou en swahili malaika, c'est pour tout simplement dire messager. Alléluia. Amen. Ce sont des messagers célestes. Bazali ba memisango ya lola. Ça c'est un. Wana yambo. Les anges nous apportent la présence de Dieu. Les bangelou ba memela kabiso présence ya nzambe. Deux. Yami ba. Les anges bangelou amen réponse à nos prières. Ba memaka biano na balo sambo na biso. Les anges bangelou amen aussi les provisions surnaturelles. Ba memela kabiso nyoso tozali na ngobo senga de manière surnaturelle. Les anges sont là pour des interventions divines. Bangelou bazali wana pona kotalisa ndenge nzambe ya kotaka makambo ya bato. Basalaka l'invisible est manifesté na visible. Ils font de sorte que l'invisible soit vécu, vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nazo pesa yo nanu na bandi kutute na pesa yo ba point mais na lingika ka oyeba que les anges sont réels et ils sont là jusqu'à nos jours. Je vais vous amener à comprendre et accepter que Bangelou Bazali pe Bazali réel solo kinomi kolonabiso oyo. Lo sambo nangai. Ma prière. Quand ba domestique ba ban ba salisaka biso nandako famille mobimba apatia lelo ba Angelou azambe ba komaloko salisabino. Amen. De la même manière que les domestiques nous aident dans les travaux ménagers, que les anges de Dieu commencent aussi à vous aider. Alléluia. Amen. Les anges sont réels. Dans l'ingo et sa voisine, les anges sont réels. Les anges sont réels. Le bango avec audace. Les anges sont réels. Le bango les sauces. Les anges sont réels. Alléluia. Amen. Bazar. Réel. Baza plus que réel. Mais ebele na biso to mesani na bangote. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sont pas habitués avec eux. Baza wana chaque jour. Ils sont là tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exemple les alliés ebele na katia Bible. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Ce que vous rappelez l'histoire d'Hérode. Si vous pouvez vous rappeler de l'histoire d'Hérode. Oh, qui s'est frappé la poitrine. A obéi la voix de Dieu, pas la voix des hommes. Nani a yebi?
Alléluia. Nani ah, qui connaît encore cela? Tango Herodas beti tolo eloko nini salami anjaye ba frappeye balamoko ba akufi eloko nini ebimi bobenga ngoni bankusu ba bankusu oui. Voilà oui. Alléluia. Amen. Babimelie sur place. Quand Hérode frappait la poitrine, voulait s'opposer au plan de Dieu, un ange de Dieu lui est apparu et l'a frappé. Il est tombé raide mort. Et aussitôt mort, les asticots sortaient de son corps. Le sang bonangai. Ma prière. À partir à Tongo Alelo. À partir de ce matin. Ange lui a zambé baba na ko frappé ba adversaire ya vie na yo. Amen. Amen na yo se pelisinga ite. Amen. Que les anges de Dieu frappent les adversaires de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bisika nyoso yoko kiko komate. Partout vous ne pouvez pas arriver. Bango bakende na tina na. Que eux vous précèdent. Na kombo na Yesu. Amen. Soki otangi apati ya Genèse tina Apocalypse okomona ministère des anges. Si vous lisez la Bible dès la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir les ministères des anges. Mais aujourd'hui, kasi lelo, Matéya ba ange était ya makara na église. La prédication sur les anges de Dieu est rare dans les églises. Est-ce qu'il n'a qu'aussi? Bino ba pasteur bozana. Est-ce qu'il n'a qu'aussi? Non. Et voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, toujours vivre de certaines interventions. Parce que les instruments pour toutes ces interventions, tu négliges bango, pour ça na connaissance, l'icolo na bangote, na makambo ba salaka, tu zangi connaissance. Et zambi asia lobi, mon peuple sont détruits, faute de la connaissance. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous manquons certaines expériences spirituelles, tout simplement les instruments, les moyens par lesquels Dieu utilise pour que ces manifestations spirituelles nous arrivent, nous les ignorons. Alors la Bible, voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Depuis au bandit côté, je vous pose la question. Nathaniel, combien de fois tu es connu? Combien de fois tu as eu prospérité? Combien de fois tu as eu sainteté? Combien de fois tu as eu justice? Mais combien aussi tu as eu les anges? Je pose la question. Combien? Combien de fois depuis que tu as commencé à prêcher? La plupart des prédicateurs bateya kangote par rapport à bateya monsus. La plupart des prédicateurs ne prêchent pas sur les anges de Dieu par rapport à d'autres prédications sur la foi. Non, n'a pas eu combien de fois par rapport à bateya monsus. Chez vous, combien de fois avez-vous parlé des anges par rapport voilà à d'autres prédications? Pourquoi dans la tinanine les enfants de Dieu sont limités. Banana nzambe ba kangami. Oh! Alors que ils sont l'air responsabilité, fonction à nos propos ici sous terre. Alors que les anges de Dieu ont une responsabilité nous concernant. Le sang bonanga. Ma prière. Mutuna mutuawa. Chaque personne ici présente. Pour qu'on va vivre intervention angélique. Que tu commences à vivre des interventions au angéliques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Christo. Est-ce que nazo te yabato? Est-ce que je parle aux gens? Est-ce que zo kota? Est-ce que ça entre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Oui. Verset 13 et 14. Verset 13 et 14. Na lingi na talisa biso. Je vais nous montrer point par point. Un à un, à ta 9 points. Nous avons eu 9 belé. Points. Il y en a beaucoup. Les activités des anges. Misala yaba angelou. Parce que la connaissance est la mère de la visitation surnaturelle. Pour être boyébi, nde eza maman, oyo a bota ka visitation surnaturelle. Alobi, oko yeba solo. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Solo oyo yebi. Et la vérité que vous connaissez, eko kango c'est yaya. Elle qui vous. Ce matin, beaucoup de gens seront délivrés. Hébreux 1, 13, 14. Version d'Arbi. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite,
jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marcher pied de tes pieds. 14. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, voilà, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut? Envoyés pour servir en faveur de qui? De ceux qui vont hériter du salut. Qui a déjà reçu Jésus au milieu de nous? C'est-à-dire, bah, ange baza envoyé pour bah servir une banane. Nous, le bana audacioso. Gai, apatia lelo. Oko bana ko vivre intervention angélique. Amen. Si vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie, alors vous devez savoir que les anges sont envoyés pour vous servir. Tu seras pris dans un accident. Amen. Tu seras pris dans un accident. Tous ceux qui seront autour de toi mourront, mais toi, les anges de Dieu te feront sortir de là. Béni in. Béni in. Avion et koi. Son avion a fait crash. Avion et koi. Son avion. Jet. Son jet et Banzani na katia samba et s'est écrasé dans la forêt. Ni égratignure, hein? Et égratignure, égratignure. Ata boyé na zoto na et il est sorti de cet accident sans le moindre égratignure sur son corps. Shabada baya tagabaya tagabaya. Et il y a Katabaya, Yende a telemi Azobim Zanzoto, ya pilote, Azobim Zanzoto, Omachala, Bayata, Kabaya. Celui qui commençait à faire sortir les corps du pilote. Bisika, Batubaso, Koufayo, Koufate. Là où les gens meurent, toi tu ne mourras pas. Alobi, il donnera ses anges à ton propos pour te délivrer de tout, hein? Alobi akotinda banjelu na ye bona tina na yo et ba kango la yo na mabeto likama nyoso. Mais parce que tu as la connaissance wana te. Mais parce que nous n'avons pas cette connaissance. Et te ya makaramo aussi. Et cela n'est pas assez prêché dans les peuples de Dieu. Lipota na nzamba. N'a plus aucune connaissance. Azate na boye bi mon côté. À ce qui concerne le ministère des anges. Na o etali ministère ya banjelu. Et là où il n'a pas de connaissance. Mon peuple périt. Apatia lelo. Ko banda lelo. Ko banda vivre bango. Tu commenceras à les vivre. Ko banda vivre bango. Commenceras à les vivre. Osa awa osa homme d'affaires, femme d'affaires. Vous êtes là homme ou femme d'affaires. Oko lutter li susuté. Tu ne vas plus lutter. Na zone là qui sait ce qu'elle est. Je vais vous montrer les secrets. Ba ange ba ko ba benda ba client parce que ya kosoma. Les anges commenceront à appeler les clients chez vous pour acheter. Amen. Alléluia. Amen. Mashallah bayata gabayata. Amen. Ayatege yegede gede gede. Amen. Oh yo kana délivrance. Vous pouvez entendre sous la délivrance. Dayo. Dayo. Yondezo benga mangwa. Toi, tu les appelles, c'est vous qui les appelez ici. Oye nandaku na bango. Vous êtes partis dans les maisons les chercher. Eza musala yaba. Ce n'est pas moi, c'est le travail. Benga bovani bele boy. Ange, bazo salam salam bazo kende kende soki oboy ko kende abetio. Tel que vous êtes assis nombreux ici pour venir ici, ce sont des anges qui font ce travail là, qui vous réveillent le matin. Lève-toi malgré la fatigue, lavez-vous, habillez-vous, allez. Ba dossier mususu balali si quelque part. Certains dossiers kenge na tote ya na minute yo. Pendant que je ba ange azambe bazo telemisa. Les anges de Dieu kenge na tote ya na minute yo. Pendant que je parle. Mususu ba kozwa ba message SMS. Certaines personnes recevront des messages par SMS. J'ai déjà prophétisé. C'est là ce qui nous a mosali azambe. Ce qui zambe atininga zela. Oko fungula téléphone na yo sima akute. Si je suis un serviteur de Dieu et que Dieu m'a envoyé, quand vous allez allumer votre téléphone après le culte, vous allez voir les messages. Est-ce que je parle aux gens? Les anges sont envoyés pour nous servir. Amen. Version le livre. Yes. Et Dieu a-t-il jamais dit à un ange comme il dit à son fils? Yes.
Assieds-toi à côté de moi. Yes. À la place d'honneur. Jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. Non! Car les anges ne sont que des esprits messagers envoyés pour aider ceux qui doivent recevoir le salut et pour prendre soin d'eux. Oh! Pour faire comment? Prendre soin d'eux. Appartient le lobe à combattre, prends soin à yo. Amen. Prends soin à yo. Amen. Kobanda lelo, banjelou, bakobanda kolenge la yo. Nani azo yoka. Pasteur, missionnaire, ambassadeur. Il faut pas sur le ministère à Hans et qu'on diminue. Pasteur, missionnaire, vous devez comprendre les mystères des anges de Dieu. Cela vous facilitera dans le travail du ministère. Alléluia. Amen. Amen. Comme on a dit que nous avons dit à mon côté, au moins on a des démons qui ont dit que yo, tango yo soto yenandaku bandoki, toye ko lokabango, mais tout le monde a kayo kakawana, ozo seka. Il ne faut pas croire que moi je suis un magicien. Quand sous la délivrance les gens disent, chaque fois quand nous attaquons ces gens ici, nous te trouvons dans leur maison en train de rire, tu te moques de nous et nous n'avons pas moyen d'agir, de faire notre travail. C'est le travail des anges de Dieu. À mission. Banjelou Yanzambe. Pendant l'exemple, activité angélique. Numéro 1. Lingala. Mokolo moko te nzambe asi ya lobabo na angelu atanani fanda pembeni nangana esika ya lokumu na kotia banguna na yo na se ya makolo na yo. 14. Ba angelu bazali bobele milimo oyo esalelaka nzambe atinda ka bango po na kosalisa ba oyo ye alingi kobikisa po na kosalisa ba oyo ye alingi kobikisa. So tango zo mona bato bazo bika awa, nani azo salisa? Ba ange. Tango na lobi impose le maboko na yo, nani azo simba? Ba ange. Nani azo longola cancer? Ba ange. Na parti intime nani? Ba ange. Nani azo longola fibron? Ange. Amashala baya chaka baya. Amen. A parti atongwa lelo na active ministère na bango na vie na yo. Amen. Alobi osio yo ki alobi Angelo mokoya na commission moi na fils ya kuvana pemene nga. Il a dit mais banani zambe abeki fils. Non. Il n'a jamais dit à un seul ange, viens, tu es mon fils, je te fais asseoir à côté de moi. Jamais Dieu l'a déjà dit. Mais il nous appelle nous ses fils. Zambe a pesbiso batu oyo bakosunga biso mais biso tozo négliger bango. Toyebi bango te. Toyebi musala na bango te. Dengeni ni oko bénéficier na mutu oyo yebi responsabilité na yete vis-à-vis na yo. Dieu nous a donné des êtres à notre service pour nous faciliter, pour nous aider. Mais nous ne les connaissons pas. Alors comment est-ce que nous allons jouir du bénéfice des services des êtres, des personnes que nous ne connaissons pas? Est-ce que nous moko azo pambola? Amen. Est-ce que nous moko azo zo révélation? Amen. Alléluia. Ok, n'est la place pour ce qui nous a annoncé avant ou ya. Amen. Vous. Amen. Oh, amen. Amen. Vous vous présentez, vous allez vous présenter quelque part, mais eux vont vous précéder et vont déjà annoncer votre venue. Laisse-moi te partager un peu quelques exemples d'activités des anges. Si kana meka ko kabolana yo, ndambu ya ba activité tu ya misale ba angelou. Numéro 1. Yambo. Na jardin d'Eden. Dans le jardin d'Eden. L'ange était le chérubin. Oyo azo batela bobenga oni l'arbre de la vie. N'est-ce pas? Oui. Dans le jardin d'Eden. Nani ayebi? Qui se rappelle? Dans le jardin d'Eden, il y avait l'ange, le chérubin, qui protégeait l'arbre de vie. À partir de l'okaka boye bakobado obate la yo partout. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu seras protégé, gardé partout tu es. Deuxième activité. Na histoire ya Aga. Dans l'histoire d'Aga. Mama ya Ishmael. La mère d'Ishmael. Na katia Zamba.
dans la brousse. Angelou abimelié. Un ange lui est apparu. Abandiko guiteye. Et il a commencé à la diriger. Zonga. Rentre. Et pas à maîtresse. Auprès de ta maîtresse. Apatia lelo. Kubandalelo. Bisika ozo waya waya waya. Partout tu es en train de errer. Angelou abimelié. Ça que les anges de Dieu. Batali sayo nanzela. Et te montre la direction. Lobana zoyoka. Nazoyoka. Loba ezokota. Ezokota. Quelques activités des anges. Mwandambo ya troisième. Angelou. Yamisato. Angelou azambe awuti lola kiti. L'ange du Seigneur est descendu du ciel. Tango Abraham azo sacrifier mwana naye. Pendant qu'Abraham voulait sacrifier Sabe son fils. Pesanga mwana. Dieu lui a demandé son fils unique. Tango alingia pesaka akata mu kingo. Juste quand il voulait égorger l'enfant. Ange B a béni. L'ange s'est manifesté. Hey, allez, arrête! Arrête, Abraham! Abraham! Zambe amoni ki ozo bangaye. Dieu a vu comment tu les crains réellement. Amoni obéissance na yo. Il a vu ton obéissance. Chika mwana. Laisse ton enfant. Talasima. Regarde derrière. Yeza muninga na yo talasima. Dis à votre voisin, regarde derrière. Zo kande makamususu ekoko bimela yo na sima. Nassambeli apati alelo. O makambo ba provision surnaturelle ko bango bimela yo na sima. Amen. Souvent nous ne savons pas que des grandes choses peuvent sortir derrière. Talasima. Regarde derrière toi, Abraham. Un bélier. Hein? Un bélier. Bélier, ça. Non, lingala, ça n'est pas. Mémé, mémé. Mémé, amoubali. Agneau. Mouana, agneau. Mouana, mémé. Le bas, talasima. Talasima. Voilà. Est-ce que vous avez comme ça? Les activités des anges. Les activités des anges. Tellement que Matthieu y était à Kama Mingite na église. Comme cette prédication, ce genre de prédication n'est pas souvent prêché dans les églises. Ba yebite activité ya ba ange. Les gens ne connaissent pas les activités des et anges. Et là la pongi. Ça dort au milieu d'eux. À partir maintenant, au commande qu'on vivre provision céleste. Amen. À partir de maintenant, tu commenceras à vivre des provisions célestes. Bien-aimé, dis-moi ma kamunazo ibsa. Bien-aimé, crois ce que je te dis. Je répète, crois-moi. Depuis que j'ai connaissance. Depuis que j'ai reçu ces connaissances. Je n'ai jamais mendié à personne pour na biloko ya kolia. Natikali jamais ko salela lolombo pour na nalire. Tangu na yeko banda mission, je me rappelle na ma campagne quelques années biloko inandaku e komi e belé koloba mususte. Quand j'ai commencé à ma campagne, au début, j'avais tellement à manger dans la maison au point qu'il n'y avait pas de place pour les mettre. Et je dis, na commandie te. Et je disais que na kolomba lomba te. Soki yo ne otininga na mboko. Si c'est vous qui m'avez envoyé prouvez dans ce pays, prouve-moi. Oyebi farine ya manioc. Oyo ba melaka ba nigeria ba melaka ba bengango gari. Ah. Ba teka ngwa. Vous connaissez les gari? Farine ya ma. La farine de gari vendue ici. Yangonde et Tikali. C'est tout ce qui restait. Élisée. Élie, s'il te plaît. Élie. Basiba Meli, deux jours déjà, 48 heures. Tiba komi ko se plaît. Tous les jours, gari, tous les jours, elle, tous les jours. Biloko, egomi, ebele. Mes enfants, deux jours durant, n'ont pris que cette bouillie de gari. Et ils commençaient à se lamenter. Papa, toujours pour gari. Yéaza ancien. Yé, yé, yé. Il est. Bon. Ayebi histoire. Ayebi il témoignage. Connaît ce témoignage. Nakosega te. Je ne demande pas. Maman moko aza moko a banananga à l'époque. Une maman était une de mes filles à ce temps-là. Bimelinga nandako. Est venu chez moi à la maison. Comment nae maman Kaiba. Elle s'appelle maman Kaiba. Ayena bongo. Elle est venue avec l'argent. Ayena babiloko. Elle est venue avec la provision.
Na tongo tongo. Très tôt le matin. Aekotika. Elle est venue déposer. Yo, besoin. Tout ce qu'on avait besoin. Aekotika. Elle l'a apporté. Sans que na lobilaye. Sans que to bengana. Sans que je l'ai appelé, je l'ai demandé. Provision angélique. Une provision angélique. A bâti à l'élo. N'a activé ministère angélique na vie na yo. J'active le ministère des anges dans na votre combo vie. Na yes. Amen. Maman na biso moko awa na chorale. Une de nos mamans ici dans la chorale. Aza mounéni boy. Elle est grâce. Aza moulouba. Du Kasai. Banani bayebie. Qui la connaissent? Maman Rose. Moi c'est un papa Mayala Yebi. Maman Rose pour ne pas la citer. Avoir comme maman pasteur. Elle connaît maman pasteur Mayala, elle connaît parce qu'elle était dans la chorale. Batu baye kotoke na porte na ye na 6h entre 6h et 7h du matin. Les gens sont venus frapper devant sa porte entre 6h et 7h du matin. Maman, tu as une enveloppe pour nous. Maman, nous avons une enveloppe pour vous. On a écrit dessus son nom. Dès qu'elle a fermé les portes, elle ouvre la porte. Elle prend l'enveloppe. Bango babaloki. Et sont tournés. Bakayi. Et parti. Maman a fermé l'enveloppe. La maman ouvre l'enveloppe. $5,000. Elle trouve dedans $5,000 américains. Là, c'est où tu? D'où ça vient? Elle ne connaît pas. Abadi alelo. Surtout n'angongo yo ya rentrée scolaire. N'a prophétisé provision surnaturelle. Amen. N'a lobby n'a prophétisé provision surnaturelle. Amen. N'a lobby n'a prophétisé provision surnaturelle. Amen. À partir d'aujourd'hui, surtout pendant cette période de rentrée scolaire des enfants, je prophétise une provision surnaturelle sur vous au nom de Jésus. Si je suis un prophète, apatia les lots. À partir d'aujourd'hui, ces paroles s'accompliront dans votre vie. Vivre, surtout dans le temps de la rentrée scolaire, beaucoup vivre ma provision surnaturelle financièrement. Amen. N'oublie pas qu'un prophète avait prophétisé en disant que demain, un écolo de Sakombi sera vendu à 100 francs. Et cela s'était accompli. Pendant cette période de rentrée scolaire, je prophétise une provision surnaturelle pour vos familles. Alléluia. Amen. Abashalabaya, take it. Amen. Numéro 4. Ange Abimeli Moïse. Un ange est apparu à Moïse. Alléluia. Amen. Nakati ya zamba. Dans la brousse. Nani ayebi yango? Qui se rappelle? Exode. Abimeli Moïse. L'ange est apparu à Moïse. Alobi. Disant. Kende. Va. Pas Pharaon. Voir Pharaon. Libérer Batunanga. Libérer mon peuple. Nazo laïsayo quelques activités des anges. Je vous montre seulement certaines illustrations des manifestations des anges. Est-ce que Ezo Kota? Amen. Natuni eske zokota. Numéro 5. Cinquième point. Ange. Un ange. Azale derrière pilier de. Pillar of fire. Pillar of fire. La colonne de feu. Colonne de feu. Oh, pilier est la colonne, oui. Colonne de feu. Un ange était derrière la colonne de feu. Voilà. Ange azale qui derrière colonne de feu. Oezo guide bana Israël. Un ange était derrière la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na sambeli denyozo tambola ba ange luba zambe bazala elongo na yo. Je prie comme tu marches que les anges de Dieu t'accompagnent. Numéro 6. Sixième point. Nani a telemisi punda ya Balaam. Qui a arrêté l'âne de Balaam? Loba ange. Ange. Munguna oyo akoya kosala yo mabe. L'ennemi qui vise te faire du mal. Ba ange luba bloqueye. Que les anges de Dieu les bloquent. Azala mobali ya zolo ban je t'aime, je te chéris, mais ya lukuta. Alinga détruit vie na yo.
Amen. Qu'il soit un homme qui dit je t'aime, je t'ai chéri, mais dans son cœur il n'y a pas de vrai amour. Qu'il soit bloqué, qu'il ne s'approche pas de toi. Tout celui qui empêche que ton dossier soit signé, ce jour-là, il ne va pas se réveiller. Est-ce que j'enseigne des gens? Balam a linga ça la contre volonté à Zambé, Zambé a dindi ba ange ba bloqué punda, punda ba bet, Balam a beti punda, punda ti a siliki ti a fungoli munoko a lobi. Balam voulait faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Son cheval, son âne l'a résisté au point que Balaam l'a frappé et l'ange a parlé. Apatialelo, kobandalelo. Ba ange lui a zande ba tie blocage barrière. Que les anges contre adversaire yo son avina yo. Que les anges de Dieu bloquent ou mettent une barrière entre toi et tes adversaires. Bien-aimé, naloba kango. Bien-aimé, je l'ai toujours dit. La Bible dit, mon peuple sont détruits faute de la connaissance. Bible le bien te batonanga bazali ko koufa, po bazangi koyeba. Est-ce que nazote yabat? Est-ce que zokota? Amen. Ok. Nani aye koleisa prophète Elie na désert? Qui est venu alimenter ou nourrir les prophètes Élie? Corbeau, Ezanani. Un corbeau, c'était l'image de qui? Alléluia. Amen. Ba corbeau na yo, ba koya ko leisa yo. Tes corbeaux viendront te nourrir. Na tango ya besoin. Dans les moments de nécessité ou de besoin. Au nom de Jésus. Amen. Les anges sont là pour prendre soin. Nous venons de suivre la version où il est écrit que les anges de Dieu sont là pour prendre soin de ceux que Dieu veut sauver. Qui a fermé la gueule des lions contre Daniel? Contre Daniel. Numéro 9. Nani? L'ange. Nayokiote. Nalobi nani? Tango roi aye alobi Daniel, est-ce que tu es vivant? Daniel alobi ni roi vie à jamais. Vous mets là. Roi, vous mets là. Mon Dieu m'a envoyé. M'a envoyé quoi? Un ange. Vous faites quoi? Fermez la gueule des lions. Quand le roi est venu le matin voir là où il avait jeté Daniel pour dire, Daniel, serviteur du Dieu vivant, il a entendu la voix de Daniel dans la fosse criant, oh roi, vis à jamais, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Batu batungo la kamuno kona bango mabe pona ko chola yo ko bebisa yo. Ce qui propage comme baba. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui propage des mauvaises nouvelles, des fausses nouvelles contre vous, qu'ils deviennent muets, que les anges de Dieu ferment leur bouche au nom de Jésus. Amen. Que leur langue soit attachée au palais. N'importe quoi. Ceux qui propagent des fausses nouvelles, ils sont à la recherche de la destruction de la destinée de quelqu'un alors qu'ils ne les connaissent pas, ils ne les fréquentent pas, mais ils propagent des mauvaises nouvelles qui deviennent miwés. Si vous êtes une telle personne, vous devez fuir ce genre de ministère. Sinon, si vous ne changez pas, un malheur va vous arriver à coup sûr. Qui es-tu obana ko critiquer condamner muninga yonde mokeli nae yonde ozana bebate mashalabaya. Qui es-tu pour commencer à critiquer et à condamner ton semblable? Es-tu son créateur? Est-ce vous qui l'avez envoyé? Vous voulez que je parle? Munoko ya batu adeyewana que la bouche de cette personne avait ses
soit paralysé. Qu'il bave. Que leur bouche soit paralysée et qu'il bave. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nazo comprendre. On te demande quel est le problème. Oh non, je ne sais pas. Je vois comme, comme ça, il ne va plus ouvrir sa bouche contre vous. Est-ce que Nazo te ya? Amen. Oh yes. Atozo muna neti blaga ame okomona conséquence ya makam nazolo. Même si vous croyez qu'on est en train de blaguer, vous allez voir les effets de ce que nous sommes en train de blaguer. Natelemi na office nanga tanki prophète. Je me tiens sur mon bureau comme prophète. Il y a des gens avant akufa. Ezana patu. Oyo avant de mourir, akofungula munoko nayo. Il va ouvrir sa bouche. Oyebisa yo. Te dire, limbisanga pona mabeyo sumasa. Pardonne-moi pour tous les mal que je t'ai fait. Azana shwate ifwa luvango po eli monaye ezala sauvé. Il n'a pas de choix, il doit le confesser pour que son âme soit épargnée de la mort. Si vous croyez cette prophétie, dites amen à haute voix. Ba ange ba kangi munoko ya lion. Les anges ont fermé la gueule de lion. Siko ya yone ba kokanga te. Et la tienne, ils ne sont pas capables de la fermer. OK. Numéro 10. 10e activité. Combien? 9e. 10e activité des Koma anges. Comment yayo yon soko ki koma? Eza la 11 koma kaka. Voilà. Ok. Ba ange babimeli Joseph. Mobali ya Marie. Joseph. Zwa mwana. Na mama. Bozala nini? Wende. Pona nini? Erod. Alingi. A jamais. Les anges de Dieu ont apparu à Joseph, le père de Jésus, disant que prends l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode voulait à sa vie. Nani andimisiko ke ba ange bazosala. Na makamonyoso na lobi oyo euti ancien et koti Nouveau Testament. Qui croient, parce que dans ce que je viens de donner comme activité angélique, nous voyons des exemples dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Est-ce que quelqu'un croit? Nani a yeko bimisa Pierre na prison? Qui est venu faire sortir Nani Pierre? Nani a fungoli ba porte pour na Pierre? Qui a ouvert les portes? Nani a brisé ba chaîne ya poe Pierre? Qui a brisé les chaînes qui liaient Pierre? Yonso ya kindo ki ba kangiyo na yango. Toute chaîne de la sorcellerie. Maintenant, ezala briser les colonnes yona kombo na Yesu. Qu'elle soit brisée sur vous au nom de Jésus. Chaîne yonso ya molimo ba itse kokanga maboko na yo. Toute chaîne spirituelle utilisée pour bloquer tes mains. Pour avancer, pour ne pas avancer dans tout ce que tu fais. La lobby ezala briser ce matin. Que ces chaînes soient brisées ce matin. Moi osala ezate, moi ozwa ezate. Bakangi atabalimba pesa yo bongo, moi ozwa ezate basi bakangi yo. Ba chaîne wana satanique na brisé yango na tongo alelo. Vous ne pouvez pas travailler parce que vous avez des mains spirituellement liées, et même si on veut vous donner quelque chose, vous n'avez pas de mains libres pour recevoir parce que vous avez été bloqué. Toutes ces chaînes, je les brise ce matin au nom de Jésus. Écoute-moi, yo kangai. Quand la Bible dit Dieu confirme la parole de son serviteur. Dans la Bible, il y a un Dieu. Il accomplit les prédictions de son envoyé. Quand son serviteur libère des paroles. Qui fait que ses paroles libérées s'accomplissent? Le baba ange. Les anges de Dieu. Ozawa. Vous êtes là. Élévation na yoba vandeli depuis des années. Ton élévation couverte depuis des années. Na pesi 3 mois d'ici.
Je donne 3 mois. Au mati. À partir d'aujourd'hui. Au mati. Montera. Nakomba na yes. Amen. Merci papa de Dieu so soli on dimi. So de Genèse à Apocalypse. Kopanda na Genèse qui non Apocalypse. Il y a des activités angéliques. So mon ami sala ya ba angelou. Nani a pambolami. Qui est béni? La Bible dit, papa. Bible est Zakoloba. Paul. Les anges sont autour de ceux qui craignent Dieu. Banjelou, zinga, zinga. Yaba et bazo banga nzambe. Oyebi pour nani ebele ya batu bazo vivre. Parce que ko banga ya zambe ezali e koufa. Vous savez pourquoi les gens ne vivent pas des expériences angéliques? Parce que la crainte de Dieu a disparu. Beba, osa kutu kunate ke osali masumu. Ezo etapele yote, osa ngulu, ozo nage na kati. Crainte, crainte ya zambe ezali susute. Vous avez péché. Et qui me si ba ange? Parce que ba ange ba yaka kakaka kosunga, ba oyo ba bangaka zambe. Vous avez péché. Et malgré vos péchés, vous n'avez aucun remords. Vous êtes comme un porc qui, après s'être lavé, va encore se vautrer dans la boue. Et par cela, vous faites fuir la présence de Dieu. Qui craint Dieu? Moutouso qui a sali beba. Ayoki mabe. Azo lela koutou, azo yebate. Azo lela na koukou. Zambe soumbe. Azo bunda. Azo bunda. Loko na lingi loko yote. Amen. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui regrette, qui se repent, qui pleure même en secret après avoir commis un péché. C'est celui-là qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.